Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 1er octobre et je suis très très contente parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie là en ce moment. Bon, j'avoue, je suis à la fois contente et à la fois un peu débordée par tout ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on a publié notre vidéo en collaboration avec Aitmada, donc que ma sœur a entièrement montée et qui est vraiment géniale. C'était une vidéo de notre collaboration sur la nourriture malgache en fusion africaine. Voilà, c'était une très très belle collaboration avec Paris Damako et Hungry Consti et Aitmada. Cette vidéo est sortie, donc ça nous a encore plus motivés avec Cynthia pour nos projets à venir. Normalement, alors vous regardez cette vidéo, on a fait le lancement de notre compte With Out Loud, donc qui parle de la nourriture. Vous savez très bien que je suis une grande foodie et que ça fait des années et des années que je vous partage toutes mes adresses et tout ce que j'aime manger sur Paris. Et donc là, je suis très contente parce qu'avec Cynthia, on s'est lancé toutes les deux vu que notre passion, c'est vraiment la nourriture et parler en fait de bouffe ensemble. Donc voilà, je suis très contente de commencer cette nouvelle aventure, on va dire ce nouveau réseau social à côté encore de tout ce que je fais déjà. Mais à part ça, bah aujourd'hui je suis contente parce que j'ai eu cours ce matin, tout s'est très bien passé et cet après-midi je me pose un petit peu et je prépare mon oral puisque demain je serai à La Rochelle. Je pars à La Rochelle et je vous emmène avec moi, donc je vais donner ma première conférence ou présentation en tout cas lors d'une journée universitaire en partenariat avec la bibliothèque de l'INALCO, donc la BULAC, au festival Ici en Corée. C'est le festival Ici en Corée à La Rochelle et je vais partager mon point de vue sur les femmes coréennes dans trois œuvres, dans trois histoires, romans, fiction du 19e siècle. Et du coup voilà, je suis très contente quoi. Mais là je dois revoir et réviser un petit peu mon oral et voir si j'ai des modifications à faire dans le diapo et dans la présentation. Le bon pot-au-feu, le bon oden fait maison de Hantou. Oh, c'est beau avec le lac. Waouh. En tout cas, c'est trop bien. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver le lendemain de cette magnifique journée à La Rochelle. Par contre, j'étais très très fatiguée hier pour vloguer et là, nous sommes le lendemain à 18h30. Donc, comment vous dire qu'il s'est passé trop de choses en 24 heures et je suis vraiment épuisée là, en 48 heures même, je dirais. Du coup, la journée d'hier s'est super bien passée. Le voyage en train à l'aller comme au retour. À l'aller, en plus, j'ai fait mes petites corrections. J'ai été super efficace. Au retour, j'étais hyper fatiguée de la journée. Et pendant la présentation, tout s'est très bien passé. Donc, c'était ma première conférence devant plusieurs élèves. J'ai eu du public, j'ai eu presque 50 élèves en vrai, une cinquantaine de personnes qui étudient le coréen ou la didactique des langues en coréen, etc. Donc c'était très intéressant. C'était très très enrichissant aussi parce que après j'ai aussi pu voir l'exposé d'artistes contemporains coréens et d'assister aussi au vernissage de l'exposition organisée par le festival Ici en Corée, du coup, qui a eu lieu là en ce moment début octobre. Voilà, en plus j'ai beaucoup socialisé, j'ai rencontré une doctorante coréenne.
Oden, d'autres intervenants, des personnes qui étaient dans l'organisation. Enfin voilà, vraiment cette aventure s'est vraiment très bien passée et c'était très riche humainement, culturellement. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de changer un petit peu d'univers de l'école. Par contre, j'étais super fatiguée parce que c'est la première fois que je faisais un aller-retour comme ça en une seule journée. De Paris vers quelque part d'autre. J'avoue que j'étais épuisée le soir. J'avais vraiment plus aucune batterie sociale ni aucune batterie tout court. Et donc aujourd'hui j'ai donné mes cours. C'était super difficile, je vais pas vous mentir. Et j'étais juste en mode pilote automatique avec les élèves. Là je viens prendre un petit goûter avec une copine aussi. Donc comment dire que vraiment la vie sociale là elle est totalement remplie. La batterie sociale de l'introvertie que je suis est épuisée. Mais au moins ce qui est cool c'est que ce soir je suis un petit peu toute seule. Andu il est allé à une soirée avec son frère. Et là bah je vais un peu me reposer enfin, me faire à manger tranquillement, je vais regarder mes petites vidéos. Sachant que demain, j'ai encore une dernière journée de cours avant le week-end. Et l'après-midi, j'ai une après-midi montage pour le deuxième vlog de septembre. Et le week-end, j'ai tout un week-end en Normandie, en famille. Donc je pense que je vloguerai que quelques moments comme d'habitude parce que j'ai pas envie non plus de montrer toute la famille de Hand non plus. Mais voilà, hein, c'est un mois d'octobre qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Entre aller à La Rochelle, puis là, aller en Normandie. Puis ensuite, dans deux semaines, c'est les vacances. Et avant ça aussi, aller à notre petit staycation avec Hand. Ça annonce vraiment rempli, rempli, rempli. Mais voilà, je suis contente quand même. Je me sens bien, je me sens motivée toujours. Fatiguée, mais plutôt reconnaissante. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh mon dieu, il est heureux! Joyeux anniversaire, Shoto! Joyeux anniversaire! Hello tout le monde, petit haul Picard! C'est vendredi midi et je suis passée à Picard, donc j'ai pris deux mini cakes. Donc c'est pour notre week-end en Normandie. Ensuite, j'ai pris des mini gougères au fromage. Ça, c'est trop bon. Ensuite, j'ai pris des blueberries. Mais bon, ça, c'est plus pour moi à la maison, pour mes smoothies. Ensuite, 12 croustillons apéritifs. Donc tout ce qui est nem et sans bosse. J'en ai pris 24, du coup. Vu qu'on part dans une grande réunion familiale. Ça, c'est pour le goûter. J'ai pris des petits sablés, chocolat au lait, noisette, caramel. Sinon, j'ai pris 30 feuilletés saveur du soleil. Voilà, ça a l'air très bon, ça. Et ça, c'est pour la maison. Par contre, j'ai pris une petite poêlée forestière. Et enfin, 20 mini feuilletés saucisses. Voilà, donc j'ai un peu dévalisé Picard. Photo. Nous allons aller en Normandie. Encore. Où ça déjà? À Saint-Christophe. Saint-Christophe sur Avre. On va être en famille avec Asne et Katia, Sirius et Choto et la famille de Hand que je ne filmerai pas bien évidemment. On va beaucoup manger, on va beaucoup jouer à des jeux de société normalement et on va se promener dans la nature. Lol. Bienvenue dans notre demeure. Bien arrivé à la maisonnée. Pas mal, pas mal. Oh, franchement, j'aime trop. C'est très très cute. Des fleurs sur la tête de Joso. Oh non, il est trop mignon.
le curé de Monsieur Andre. Ça me fait trop rire. C'était trop bien, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que se finit notre petit week-end de déconnexion et de réunion familiale. C'était trop bien! Là maintenant, on va rentrer sur Paris, revenir dans notre petite vie. Hello les amis, nous sommes le mardi 8 octobre, pas du tout. Hier, nous avons effectué notre première sortie de la semaine avec les quatrièmes. Ça s'est très bien passé, on a visité le zoo du jardin des plantes, le zoo ou la ménagerie. Et ensuite, on a visité la grande galerie de l'évolution. Donc c'était vraiment super intéressant. Au début, au niveau organisation, j'avais un petit peu peur. Mais en fait, finalement, tout s'est très bien passé. On a accompagné des élèves de quatrième et c'était vraiment amusant aussi. On a aussi pique-niqué, donc c'était cool comme journée un peu en dehors de l'école. Et puis ça fait toujours plaisir en vrai de découvrir les élèves dans un autre cadre et puis aussi de discuter avec eux d'autres choses que du français, donc ça aussi c'était bien parce que je me suis un peu plus rapprochée d'eux. Et ensuite aujourd'hui j'ai donné cours que ce matin et là cet après-midi du coup j'étais en train de corriger des copies à même le lit, voilà hein, on va pas mentir, j'étais un peu fatiguée de la journée d'hier et aussi des cours de ce matin. Et puis ensuite j'ai aussi avancé sur la préparation de la sortie puisque nous allons sortir sur Paris de nouveau jeudi avec mes élèves de 5e. C'est très cool d'avoir cette nouvelle casquette un peu de professeur qui organise des sorties et tout ça. C'est cool aussi de voir les élèves dans un autre contexte. C'est un peu plus motivant. Donc voilà, hein, les cours se passent plutôt bien. Le début de ce mois d'octobre aussi se passe très bien, comme vous avez vu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si je suis un peu sous l'eau et fatiguée et débordée, je suis très contente et assez reconnaissante de vivre tous ces moments-là. Bonjour les amis, nous sommes vendredi et c'est déjà la fin de cette semaine. Je n'ai pas du tout vlogué de la semaine parce que j'ai une semaine super chargée. J'ai fait ma sortie lundi comme vous avez vu et hier j'ai aussi fait ma sortie jeudi du coup avec mes élèves de 5e et ça s'est super bien passé. Franchement c'était une trop bonne journée, on a eu de la chance parce que le beau temps est revenu comme là maintenant, il pleuvait plus finalement. Donc on a eu du beau temps, il a un tout petit peu plu vers la fin mais franchement ça va. Et on a visité plein de magnifiques monuments, donc j'étais déjà allée l'année dernière mais cette année ça s'est encore mieux passé que l'année dernière. Je pense aussi le fait qu'on n'était pas si nombreux que ça, que j'avais qu'une classe de 24 élèves et que aussi en fait c'est des élèves qui étaient vraiment studieux, sages, voilà. Alors bien sûr il y a toujours eu des petits couacs de temps en temps mais franchement tout s'est très bien passé. Donc on a visité... C'est trop chou. Il y a Choto qui m'embête. Donc on a visité le matin la Sainte-Chapelle et la Conciergerie. Ensuite l'après-midi on a visité le musée du Moyen-Âge. En fin de journée on a visité une petite église, enfin pas une petite église, une grande église qui s'appelle Saint-Étienne-du-Mont à côté du Panthéon où j'étais jamais allée. Donc je vous montrerai quelques photos des monuments, c'était vraiment magnifique. J'avais déjà visité l'année dernière sauf l'église, mais cette année en fait les guides étaient vraiment super. L'année dernière on va dire que les guides étaient pas mal mais cette année ils étaient encore meilleurs. Donc ça s'est très bien passé avec les élèves par rapport à ça. Aujourd'hui donc c'était une dernière demi-journée de cours et j'ai une semaine légère entre guillemets. Mardi, vendredi et mercredi j'ai eu que des demi-journées mais par contre j'ai eu deux grosses sorties avec les quatrièmes puis avec les cinquièmes, donc c'était quand même une semaine remplie. Mais par contre en termes de voix et de marche je suis vraiment super fatiguée mais bon c'est pas grave. Donc là c'était vendredi après-midi, je viens de faire mon petit sport, j'ai planifié toute la semaine prochaine et maintenant je vais me déconnecter à fond des réseaux de mon métier de prof et je vais juste profiter pour notre petit staycation, donc notre petit séjour d'anniversaire avec Aunt. Ça va être très court hein. On a juste ce soir où on va dormir donc à l'hôtel où on était l'année
dernière à Nogent-sur-Marne. Donc on va un petit peu prendre un bol d'air frais tous les trois avec Choteau et faire du bowling. C'est notre petite soirée, notre petite date du soir. Mais en tout cas, je suis contente un peu de souffler. J'ai plus qu'une semaine à tenir et ça sera les vacances. Heureusement. On y va. LOL. PTDR. Le coucher du soleil. C'est pas pour toi. Bon baiser de nos gens sur Marne. Un an plus tard, c'est inondé. Il est où? Mais t'as pas peur de l'eau, Mimi? Mais t'as pas peur de l'eau? Coucou! Et son ami font une course. Vas-y, boost. C'est bizarre. Agréablement surprise, car j'ai réussi à faire plus de 30 points au bowling. J'ai fait 69 points. Pardon. On l'a joué à des jeux et c'était trop drôle. Parce qu'il y a un ami de Hand qui nous a rejoint. Genre littéralement, il y a un petit gosse qui est venu et il a joué avec Hand. Il en avait rien à faire de moi, il voulait juste jouer avec Hand. Voilà. Bref, là on va rentrer, on va rejoindre Choteau et on va sortir une dernière fois. Les amis, j'ai réussi à faire du bowling et à pas être trop nulle. Franchement, je suis choquée. Au début, j'y croyais pas en venant ici. Et je me suis dit, bon, allez, on va se mettre dans un bon mood, on va se motiver, on va se forcer. Surtout que Andrew, il attendait vraiment, vraiment que je fasse des efforts. Et j'y suis arrivée. Je suis trop contente. Mais franchement, ça m'a motivée et ça m'a donné envie de persévérer. N'est-ce pas, mon petit Choto? Oui. Ok. Wow.
La Marne a débordé. Chouto. Tu fais quoi là ? Je vais du coup prendre le reste du champagne parce qu'il nous reste tout ça dans ma gourde qu'on va ramener à la maison. Là, bien sûr en fait. Regardez-moi ces dalleux. Je crois même il n'y a pas assez. Non, il n'y a pas assez. Bonjour tout le monde. Ça y est, nous avons terminé notre petit staycation. Il est actuellement 11h et on a bien mangé. On a bien profité du buffet jusqu'à la fin. Et là, on se pose une dernière fois dans la chambre d'hôtel. Ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que je parle pas tellement de ça en général, mais ce que j'aime beaucoup en fait avec Grant, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Du coup, ce matin, on s'est réveillé. On a tout de suite sorti Choteau. On a fait une petite balade au bord de la Marne une dernière fois avec notre petit Choteau, bien sûr. Et puis ensuite, on a mangé. On a bien profité, on s'est bien posé. Et cette fois, je pense qu'on a mieux profité de l'hôtel que la dernière fois qu'on est venu, parce que quand on est venu l'année dernière pendant le mariage, c'était trop le rush, on avait trop de choses à faire. On a vraiment dormi dans la chambre que de 2h du matin jusqu'à 8h, 9h, je sais plus. Et après, on a mangé avec toute la famille et c'était fini. Mais là, on a vraiment eu le temps de bien profiter. Je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça et heureusement que je l'ai organisé aussi, hein. Parce que bon, on voulait un peu des petites vacances que tous les deux, du coup, c'était un semblant de vacances, entre guillemets. Donc là, on se pose et puis on part un peu avant midi. Nos chemins vont se séparer parce que Hans va rentrer à la maison. Et avec Choteau, nous avons une journée de tournage qui nous attend avec ma copine Cynthia. Merci chef Hunt. Donc nous avons quoi ? Des crevettes, des boulettes de poisson, du chou et des nouilles jaunes, c'est ça ? Nouilles chinoises jaunes. Et un bouillon à base de quoi ? Algues et dashi. Ok, merci. Hello les amis, je me suis rendu compte que ce vlog commençait déjà à être un petit peu long en vrai. Parce que en fait je vous ai vlogué tellement de choses depuis le voyage à La Rochelle, le voyage en Normandie. Et là aussi notre week-end en amoureux avec Andou et Choteau. Et je vous ai plus reparlé depuis ce week-end d'ailleurs parce que j'étais très fatiguée. En fait en ce moment je suis super fatiguée, je pense que c'est l'accumulation des 6 semaines de cours. Là le fait qu'il reste plus que quelques jours avant les vacances, vraiment ça commence à être très long. J'ai trop hâte d'être en vacances, j'ai vraiment hâte de me reposer. Même si finalement pendant ces vacances on part pas du tout, on reste à Paris. C'est pas plus mal en vrai parce que j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit du point de vue perso avec la thèse et avec le montage vidéo et tout ça, ou que ce soit du point de vue professionnel bien sûr avec tout ce qui m'attend en fait pour la préparation des cours et tout. Je me dis c'est pas très grave en vrai si on part pas comme ça en novembre, on reprendra les cours en étant motivé, sachant que ça fait 2 automnes de suite en vrai qu'on part à chaque fois. Donc il y a 2 ans on était en Corée et il y a 1 an on était en Italie, donc en vrai heureusement que cette fois-ci on se repose un peu. Et puis comme ça on pourra faire Halloween aussi sur Paris. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Si vous avez regardé le vlog jusqu'au bout, mettez le mot automne dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Comme vous voyez, je suis vraiment dans un mood automnal jusqu'au bout. Donc on se retrouve très vite pour justement Halloween et pour d'autres aventures et mes vacances. Bye bye.